Allez, poursuis-moi l'autre. Oh. Oh putain, mais pourquoi? On se mord. Non, mais notez. Bah oui, mais... Par contre, toi, tu m'expliques comment ton collègue continue à courir malgré l'accident que vous avez eu? On n'a pas eu d'accident en particulier. Ah, c'est pas faux. On n'a pas tapé, je veux dire. DN75, TV Bravo. Un des deux individus est interpellé, l'autre est passé par le deuxième chemin. À la courette, au niveau des descents du Mont Brison. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Complicité de vol. Complicité? Mais j'ai rien fait. Levez-vous. Comment ça, complicité? Et également, refus de se soumettre à un contrôle de police. Vous nous courez après, on sait même pas pourquoi. C'est pas moi qui conduis. Vous m'expliquez pourquoi vous dites que vous savez pas pourquoi vous fuyez la police? Pourquoi on veut vous contrôler, mais pourtant vous partez. Encore. Mais parce qu'il m'a dit que on jouait à chat et qu'il fallait pas s'arrêter. Le chat avec voilà, la police, généralement, ça se termine dans une cellule. Voilà, c'est vrai, je vous dis la vérité. Et si? Moi, c'est... Je le connais même pas, en plus, c'est... Vous le connaissez pas, il faut monter dans la voiture d'un inconnu. Comme ça, j'avoue, c'est un peu... J'avoue, c'est un peu... Mais... Bon, soyons francs, comment il s'appelle? Je sais pas. D'accord. Vous pouvez vous palper? Vas-y. Faites. Tu te rappelles du mec qui est habillé ou pas? Habillé entièrement noir, cheveux noirs et de type caucasien. On m'appelle, je peux répondre. T'inquiète pas, ils peuvent rien contre toi. C'est important. Des passagers. Pour. Ah, c'est le PDG du transporteur. J'ai une commande à faire livrer au navire. Non, il faut bien que je marche à mon affaire, c'est rigolo. C'est pas parce que je me fais baiser par... Si vous voudriez appeler le monsieur, ça sera plus tard. Mais je vais pas l'appeler, c'est lui qui m'appelle. Vous entendez mon téléphone sonne? Non, moi je l'entends pas. Par contre, on va vous mettre de part. Non mais vraiment. C'est un petit peu trop dangereux. Mais je vous dis pas n'importe quoi, hein. Je suis le PDG de l'usine. Vous pouvez vérifier. Ah, j'ai une commande qui doit être livrée à la dire. Pierre, enlevez un véhicule, s'il vous plaît. Pierre, vous me prenez le véhicule et vous me les mettez ici, s'il vous plaît. Ouais, je vous envoie une position. Merci beaucoup. Du coup, et où est-ce que je peux trouver une carte d'identité, s'il vous plaît? Monsieur? Comment? Où est-ce que je peux trouver une carte d'identité? À l'usine, ils sont... Mes papiers sont à l'usine parce que j'ai peur de me les faire voler. Tellement de malfrats en ville en ce moment. D'accord. On va faire l'ancienne. Monsieur? Oui, pardon? Je vous prends les clés du véhicule. Quelle clé du véhicule? Non, mais tu prends pas les clés, tu prends pas dans ses poches. Vous êtes mignon, vous. Non mais tu prends rien du tout dans ses poches. Non mais après il peut, je m'en fous, c'est pas mon problème. Et je vous dis, je suis pas conducteur. Comment vous voulez que j'ai les clés? Non, je te dis, tu les clés de ma voiture. Tu prends notre véhicule à nous et tu le fous ici. S'il te plaît. Je peux m'asseoir là au moins? Alors, je veux pas hein, mais... Bon, je m'assois. Et du coup, moi j'ai une affaire à faire tourner, vous êtes mignon. Je vois bien que vous fassiez votre travail. Tu en as dans la boîte à gants. Laissez-moi faire mon travail aussi, non? Bah non. Donc, ah bah non, vous êtes sérieux là? Bah non, vous êtes restreint au niveau des libertés par le par l'article 803 du code de procédure pénale. L'article. Je suis en droit de vous garder. Lisez-le moi un coup. Ce code, pas de soucis. C'est référencement par rapport au fait que je vous restreins au niveau. De votre liberté avec des menottes.
suite à ce que vous avez fait un délit, particulièrement lorsque vous êtes enclin à prendre la fuite, à être dangereux pour vous-même ou pour autrui. Et vu que vous avez pris la fuite lorsqu'on est arrivé à votre hauteur et lorsque vous avez fait vos jolies têtes à queue, d'ailleurs vous avez eu beaucoup de chance de ne pas tomber dans de la falaise, vraiment. Toutes mes félicitations d'avoir une chance comme ça. Bah, très moi clairement, on a totalement le droit choses, de vous me douter. Pas au courant. C'est quoi cette histoire? Je suis choqué. Comment je pouvais savoir que son véhicule était volé? Alors, vous sortez de l'ordinaire. Donc vous me confirmez que vous savez pas que le véhicule était volé? Bah, bien sûr que non, sinon je serais pas monté okay. dedans. Bah, Ok, bah du coup, on va juste garder le fait que vous avez refusé de vous soumettre à un contrôle de police. Mais même ça, vous m'aurez demandé... Eh ben, je vois pas pourquoi je refuserais de me soumettre. Je viens de vous dire que j'étais... je travaille à l'usine, je suis PDG. Parce que... Ouais, bah justement. Y'a pas si vous problème. Êtes PDG, vous devez quand même suivre la loi. Si ouais, on est derrière vous, sirène hurlante, vous devez soit vous mettre sur le... Vous devez vous mettre sur le côté. En n'ayant pas le volant, vous êtes fort. Je peux pas vous faites, hein. Attends, on était quand même derrière vous. Ouais. On était très proche derrière vous. Oui, bah. On a mis les deux tons hurlantes. Vous pouvez pas savoir qu'on n'était pas derrière vous. Il y avait la musique à fond, monsieur, c'est pas. Vraiment, c'est pas que je veux pas. Hein. Mais. Désolé, mais il fait nuit, vous voyez bien qu'on a les bleus. Ah, maintenant il fait nuit, mais tout à l'heure il faisait ses bijoux. Faites pas franchement, monsieur, voyons. Lorsque vous roulez comme ça sur et une route de montagne j'ai en mettant volant, la vie d'autrui en danger, vous croyez que c'est moi qui décide? Votre collègue mettant la vie d'autrui en danger, vous croyez sérieusement que j'ai vraiment envie de blaguer? Mais vous croyez que moi j'ai envie de blaguer peut-être? C'est pas moi qui conduisais. Bah voilà, dans ces cas-là, restez sérieux. Mais bien évidemment, mais genre c'est pas moi bon, qui conduisais. Bon, du coup, vous voulez quoi, on va partir sur de bonnes bases. Vas-y. Et inventez pas des choses, on va dire. Moi je vous dis la vérité. Justement. Oui. Ah, vous êtes mignon, je suis attaché, je fais comment pour regarder la boîte à gants? Complètement débile celui-là. Putain. Pas fini. Était final piste celui-là aussi. Comment vous voulez que je regarde dans la boîte à gants? Je suis attaché. Oh! J'ai faim! Était final piste ou quoi? Attends. Sérieusement? Tenez, voilà, je vous l'ai mis. Hop là, vous voyez, je vous le mets à côté de vous. Non mais alors lui, et vous êtes pas mieux. Hein. Je suis attaché, je fais comment pour manger? Oh bah aussi, quelle idée de faire des bêtises. J'ai rien fait. J'en ai marre. Bah c'est vrai, vous avez un ami qui fait des bêtises et vous partez en courant dès qu'on arrive. Mais du coup j'ai pas eu à manger. Attendez, je vais vous repasser ça. Je peux m'asseoir? Je peux pas manger assis. Oh, un burger en plus! Oh, du coup, encore! Je vais. Pouf! Délire. J'ai connu. Avant, la police, c'était du pain et de l'eau. C'est vrai, hein? C'est bon? Ouais, attendez. Je vais voir quand même. Il est un peu périmé votre coca, hein. Vous êtes sérieux? C'est bien pris. Ah, même pas vous donner des trucs qui passent ouais. À vos détenus. Merci monsieur l'agent. Vous êtes déjà fort aimable. Ouais, ok, cool. Pourquoi c'est. Hein? C'est passé cool. Ah oui, je vous ramène un petit. C'est le reçu, et... Ah, mais on peut faire ça. Ouais, on peut y aller. Et du coup, on va rester là pendant combien de temps encore? Béa, on, toi, on y va. Wow, faites quoi en fait? Brigadier, faut que vous mettez à jour votre tablette. C'est fait. Je suis en TV, bravo. T'es 915 de la TV, bravo.
Il y a une trentaine peut-être qui est Donc, du coup, Tony. Monsieur Tony Celetta. Non, Skeletta. Skeletta, pardon. Du coup, nous sommes le samedi 12 octobre 2024. Il est actuellement 22h54 et je vous informe de votre privation de liberté pour la durée d'une heure. Sachez que celui-ci peut être augmenté d'une heure supplémentaire sur ordre du procureur et par nécessité de l'enquête. Ce qui vous est reproché, c'est le fait de ne pas vous être, disons, soumis à un contrôle de police et également pour... comment je pourrais dire? Complicité de vol. Et complicité de vol, je suis même pas au courant que la voiture... On en rediscutera après. Mais non, mais... Pour cette garde à vue, vous avez plusieurs droits. D'avoir un avocat, que la TV Bravo fait la un visite d'un médecin, de l'alimentation, un appel auprès d'un proche et un employeur. Ouais, je vous ai demandé un appel, vous m'avez dit non, t'as l'air sérieux. Oui, bah on fera ça au commissariat. On fait pas ça dans la rue. On fera ça au commissariat, vous êtes sérieux là? Oh là là. Ah oui, totalement, je suis sérieux. Je vois bien un avocat. Du okay. coup, comme ça vous sera notifié auprès de la justice. J'espère bien. C'est là, vous inventez beaucoup de choses. Sachez que, vu que vous avez demandé à un avocat, sachez que ce droit est ce qu'on appelle, disons, une mise en attente d'une garde à vue. C'est-à-dire qu'en attendant que l'avocat n'est pas arrivé, votre garde à vue est suspendue. Pas tout compris, là. En gros, vous avez demandé à un avocat, on est d'accord. Oui. Sachez que cette demande suspend votre garde à vue, c'est-à-dire que la durée de votre garde à vue est suspendue jusqu'à l'arrivée de votre avocat. Et vous avez pas des bracelets? Non. Mais j'ai pas resté en cellule pendant 5 heures, vous êtes mignon. Vous... Je vais appeler la justice une fois qu'on sera arrivé, Je vais faire une demande de CI pour voir s'ils sont disponibles et leur prévenir que vous avez demandé à avoir un avocat. Vous êtes au courant que les téléphones c'est mobile. Vous savez, vous pouvez appeler là et oui, en fait. Oui, je en sais, mais là actuellement, comme vous le voyez, je conduis. Mais il n'y a pas un mec à côté de vous qui peut appeler. Non mais. Oui, ça, mais sauf que ce monsieur là, il n'est pas APJ. Il est APJ. Il n'est pas habilité pour. Il n'est pas habilité pour faire ce conducteur. Genre de demande. Vous le laissez conduire et vous appelez. Non, je sais pas après. On va faire ça au commissariat. Je suis PDG, je vous dis la vérité. Je suis PDG, j'ai des employés qui réagissent comme ça. Mais je les claque dehors, vous êtes fous. Eh ben, peut-être que vous les claquez dehors, mais nous, c'est totalement normal ici. Dans la police. Wow. Bienvenue dans le droit français. Mon dieu. Mais dire que je vous paye avec mes impôts, ah ben. Oh! Attention! Quoi? Ouais, vous avez tapé. J'ai rien tapé, je pourrais vous montrer. Vraiment, pour moi, vous tapez. Bah, pour moi aussi. Ah, bah, je taperai. Non, mais vous, c'est pas méchant, je vais dire, mais je vous dis. Pour moi, vous avez... pour moi dans mes yeux, vous êtes là en bas. Ah! Bah, moi, je me suis très clairement regardé. Après, on voit pas la même chose. Après, vous me direz, la ville ce soir elle a eu pas mal de problèmes. Faut pas tout remettre à la faute de la ville. Pas toujours la ville le problème. Ah bah, si vous voulez, je pourrais vous montrer les problèmes qu'il y a eu en ville. Non, ça m'intéresse pas, merci. J'ai mes propres problèmes moi-même, je suis pas embêté avec vos problèmes à vous. Vous êtes mignon. Pas de temps, on n'est pas en situation urgente. On fait juste un transport de suspects. C'est pas une situation urgente. Mais il y a juste un détail. Je peux... Là, vous roulez vite, je vois au compteur 150. Oui. J'ai vu les 170 passer, mais... Vous pouvez m'attacher, là, parce que j'ai pas envie de finir devant, moi. Mais vous êtes attaché. Mais non, vous m'avez pas attaché. Je vous l'ai dit avant. Mais si, je vous l'ai dit, lorsqu'on est parti, vous êtes attaché. Ah, non. Vous dites pas non. Mon collègue, il vous l'a dit.
La première fois, oui, la deuxième fois, non. La deuxième fois, si. Vous avez pas parlé assez fort, j'ai pas entendu. Donc, je compte de... Y'a rien. Ne vous inquiétez pas. Ben, je vous crois, hein. Signal de notre arrivée. N95, la TV Bravo. Qu'est-ce qu'il est flamboyant, votre sol. C'est pour vous annoncer que la TV Bravo est au pilote pour prospecteur. Oh. Doucement. À part, vous annoncer que la TV Bravo est au pilote pour procédure. Vous me donnerez le nom de votre équipe de nettoyage. Exceptionnel. Messieurs. Oui. Ah, allez-y. Bon. Avec moi, monsieur. Ah oui, bien sûr. Ah, par contre, je suis... D'accord, bon, on va dire que c'est normal. Je la ramène au niveau du lecteur d'empreintes, j'en reviens. Ouais. Tac. Bougez pas, monsieur. Ah, je bouge pas, je bouge pas. Que... Mmh. Venez avec moi, s'il vous plaît. Mon collègue, il va arriver. Ouais, bah, il est pas encore là, votre collègue. Je peux m'asseoir le temps qu'il arrive, votre collègue. Oh, bon, on a pas un bout de temps. Hein. Il a l'air d'être long en plus. Ça peut être fusé, votre type. Hein. Bon, vous lui direz, monsieur. C'est pas une fusée. Il serait content. Ah, juste la vérité. Vrai ou faux? Pas une fusée. Hein. Bien, ah bah ça vous êtes, c'est sûr que vous pouvez rien, vous êtes pire. Vous dites quelque chose, il vous assomme. Ça, c'est sûr que vous pouvez rien dire. Pauvre garçon, je vous plains. Mais c'est vrai, il y a un décret qui dit on a un secret professionnel. Comment? On a un secret professionnel. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Bah ça, je me doute, surtout sur supérieur. Je me mets à votre place, je comprends, vous inquiétez pas, j'étais à la police, je sais ce que c'est. Fut à temps, j'étais en BMO. Enfin bref, c'était... le temps est révolu, j'ai ouvert les yeux. Ah! Ah bah là, tiens, allez, ça y est, mon dieu. C'est bon, désolé, j'ai eu quelques petits complices. Ah bah, vous êtes pas une fusée, vous. Vous savez qu'elle est... Faut que vous mettez devant, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci, juste un instant. Alors du coup, vous allez faire quoi là? Bah accepter. Ah. Mettez la main sur le lecteur. Voilà. Ah bah c'est ça qu'il faut me dire. Ah. Si vous me dites pas, moi je peux pas savoir. Attendez, mais pourquoi ma main veut pas se lever? Attendez, ma main veut pas se lever. Voilà. Bordel. Oh. Alors, faites attention, l'écran est froid. Bah, mais, en même temps, je suis attaché. Ah, vous êtes mignon, vous. Je fais comment pour faire ça? Ah, bah, allez. Moi, je vous vois, disons, les bras détachés. Bah, oui, mais j'ai encore les menottes. Les... Ah, ok. C'est un problème de voiture. C'est vous, Ouais, mais entre temps, il aurait pu vous détacher. Mettez-vous face au mur, s'il vous plaît. Bah, si les mains levées. Si vous les dites. Bah, il est mignon, le garçon. Je fais comment pour. Levez les mains, s'il vous plaît. Ah, oui, comme ça. Merci. On va procéder à une fouille. Ah bah, vous m'avez détaché déjà? Ouais, j'ai l'impression que j'ai pas les menottes. Bah, la fouille, elle est toujours la même que tout à l'heure. Hein. Vous croyez que j'ai volé une arme? Non, tout à l'heure, c'était une palpation, là, c'est une fouille. Ah, d'accord, très bien. Pourquoi tout le monde confond toujours les deux? Je suis pas doué. Non mais, vous êtes sérieux? Tu le mets en cellulé. Oh, pardon, j'ai rien fait. Bienvenue, monsieur. Oh, vous allez pas me faire attendre... Ah non, pas cela, il pue la pisse. S'il vous plaît, monsieur. Allez, monsieur, rentrez. Bah ouais, mes frères, vas-y. Allez-y. Regarde ça, encore du linge sale en dessous du truc. Non, mais c'est n'importe quoi. Bah, je m'en fous qu'il pleut, connard. Putain, c'est qui parle. Excusez-moi de vous déranger. Arthur Lampron. Inadmissible. L'appareil officiel. Arthur Lampron. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce nom? Arthur Lampron qui s'appelle le. Je sais pas.
conducteur a effectué un refus d'obtempérer, mais bien entendu, pas lui du coup. Non, bah attends, le nom de ton chef, c'est Arthur Lambron. Il appartient encore, du coup, on va se soumettre à un contrôle. Alors, monsieur, on se moque pas. Je suis fatigué. Je crois que c'est les nerfs qui lâchent. Oh, oui, il y aurait votre copain qu'il sait pas conduire. Ah. Oui, ça marche, il n'y a pas de problème. Quoi? Ah, ah. C'est pas votre nom, monsieur. Moi, t'as dit Scaletta. Bah, c'est pas mieux, hein. Mais c'est mieux qu'Arthur Lambron quand même. Pardon. C'est un mot bien français, ça. Arthur Lambron. Bon, enfin. Des traits sur les murs comme les tolards. Bon, du coup, vous allez venir avec nous, on va partir en haut déjà. Oui, d'accord, allons-y. À gauche. Ah, ah, vous êtes déjà en haut. Ah, il y a un escalier là. Oh putain, je l'ai pas vu. Ah bon, j'ai des problèmes. Asseyez-vous en face, s'il vous plaît. Ah, oh, putain, je crois rien. Que cette histoire. Tu fais quoi, là? Bah attendez, il veut pas ce con. Quoi cette histoire? Bah je veux pas. C'est pas que je veux pas, hein, mais je veux pas. Je sais pas comment vous expliquer, c'est compliqué de vie. Bon, du coup, numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors là, ça c'est une bonne question. Parce que je le connais pas par cœur. Je vous entends pas très bien. J'ai dit ça c'est une bonne question parce que je le connais pas par cœur. Vous l'avez pas avec vous, votre téléphone? Si, je crois, je sais pas. Vous l'avez retiré ou pas? Ah, putain, mais... Bah, je sais pas, il veut pas s'asseoir. C'est pas que je veux pas, mais il veut pas. Alors, du coup, vous disiez quoi? Bah, si, j'ai mon téléphone avec moi, regardez. Bah, depuis tout à l'heure, il sonne. Et du coup, je peux passer un appel ou pas, alors? Attendez. Bon. Allez-y. Allez-y, quoi? Dites-moi votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 07 87. Attends, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. 89 95 35. D'accord, c'est pour stand-by. Pourquoi je peux pas. Adresse, s'il vous plaît, domiciliaire. J'en ai pas, l'usine. Attendez, je regarde sur mes papiers. Je dors dans mon bureau à l'usine. C'est. Alors, 9e arrondissement, zone industrielle Faubourg. Non, voici Faubourg Montmartre, à Paris. Dans le 11e? Oui, dans le 9e. Ah, mais. J'ai besoin de lunettes, mais vous avez besoin d'appareil. Hein. Dans le 9e, rue Montmartre. Ah oui, j'ai la zone industrielle Faubourg Montmartre. Oui, c'est ça. Voilà. Est à l'usine, j'écoute. Oui, bonjour, c'est le directeur de la DIRIF à Paris. Oui, bonjour, dites-moi. Oui, bonjour, du coup, on a eu faire part que les transports sont en route vers chez nous. Pour notre commande, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui.
Ok, du coup ça marche comment du coup pour le règlement? Je vais me présenter à votre usine ou ça se fait rarement? Bah écoutez, je crois que mon employé a facturé directement au transporteur. Vous allez devoir régler la facture. Elle sera de 6040 euros du coup. Parce qu'on s'était mis d'accord pour la livraison à 1000 euros. C'est ça? Oui. Donc nous, on va payer, on va recevoir 4040 euros. Et du coup, bah, le battement des 2000, ça passe à Ouais, bah, 6000. c'est pour ça que j'appelle savoir si, par exemple, je vais régler que 1000, je vais venir chez pour régler le restant. Non, c'est bon, normalement tout est fait. Il va juste vous facturer 6040 euros, il aura sa livraison dedans, et puis basta, on n'en parle plus. Ok, bah, c'est pour ça que vous appelez pour savoir comment ça se déroule là, pour la suite. Et je vous fais la facture finale dès que je peux. Oui, bon, t'inquiétez pas, hein, c'est pas urgent, urgent. Pas la panique. Hein. Ça a été à la randonnée ou pas? Ah oui, nickel, nickel. Je suis tombé sur un os. Ah! Ouais. J'ai croisé la police, du coup elle m'a menotté, c'est bon. J'ai pas compris pourquoi. Voilà. Bah, c'est une sacrée anecdote, hein. Oui, bah oui, bah, ça sera raconté à mes enfants, ça c'est Oh, sûr. bah oui, aux enfants, vous êtes des gosses? Non, pas encore. Ça va arriver. Bah, vous prenez votre employé, ça passe, hein. Bah, j'espère, j'espère. Quoi, vous êtes prêt à prendre votre employé? Ah ouais. Ah non! Ah ouais! Ah, je pensais pas comme ça! Pas compris, Ah bon. oui, je pensais pas comme Vous raccrochez ce téléphone, s'il vous plaît. Ah bah non, c'est vrai, Oh, vous avez le droit à un appel. On va dire que vous y c'est vous utilisez qui votre me droit. l'avez dit, monsieur l'agent, que j'ai le droit à un Mais, appel. monsieur l'agent, je peux la force publique, moi. Mais non, mais je suis en face de monsieur l'agent, là. On est dans son Hein? interrogatoire, il me dit que j'ai le droit à un appel. Donc bah j'ai répondu au téléphone, bêtement. Et puis, du coup, je vous ai vous au téléphone. Voilà. Ah, Du coup, j'en profite. On a le droit à combien de temps d'appel, monsieur l'agent? Mais non, garde à vue, là. C'est juste pour dire que vous êtes placé en garde à vue. Ah d'accord, bah du coup je suis placé en garde à vue. Justement, garde à Ça vue. vous regarde pas, mais écoutez. Et du coup voilà, monsieur le directeur de la DIR. Mais comment garde à vue là? Comment? Garde à vue. Bah oui, j'ai pas Pour un compris. os. Oui, pour un os, tout à fait. Bon, Shabbat, hein. Bon. Bah merde, écoutez. Monsieur, vous raccrochez? Déjà? Ah, vous avez dit que vous êtes en garde à vue, c'est bon. Ah bah, bon courage et Ah, force, très hein. bien, ok, très bien, on fait ça. Bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une Bon bonne bah force journée. hein, Allez, bah des bisous. bisous hein. Salut, bisous. Fou ce gars-là, il est fou. Il dit bisous à chaque fois que je l'appelle. Ah là là. Je connais pas monsieur. Il s'est présenté à mon usine. Il m'a dit qu'il s'appelait Arthur. Attendez. J'ai. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un citoyen qui s'est pointé chez moi. Et de base, il voulait m'acheter une canne à pêche et des hameçons. Ah oui, voilà. Attendez, je regarde dans mon téléphone. Je dois avoir. Ah ouais, mais maintenant j'ai le PDG d'Amazon qui m'appelle. Je peux répondre s'il vous plaît? Non. C'est pour les affaires. Non. Ah mais c'est important. Non, vous répondez pas. Vous Ah. rappellerez plus tard. Vous rappellerez plus tard, mais vous voulez que je vous dise de faire votre travail plus tard vous aussi? Non mais. Ah bah c'est pas moi qui ai placé en garde à vue. Et si je suis placé en garde à vue, effectivement, pour X ou Y raison, ça sera mis à plus Je suis tard. placé en garde à vue parce que vous le voulez bien, j'ai rien fait de mal. Comprenez pas ça. Monsieur, il s'appelle comment votre ami? Refus de se soumettre à un contrôle de police, ça Attendez, reste quand même pénalement responsable. je regarde dans mon téléphone. Enfin, une infraction. Est-ce qu'on enregistre toutes les commandes qu'on fait à l'usine? Il est venu m'acheter des trucs tout à l'heure. Hein. Attendez. Je vais vous trouver ça. Bah, donne-moi un blaze comme ça. J'ai pas de nom. J'ai pas d'idée. C'est au pif.
Arthur Mehmet. Alors c'est le nom qu'il m'a donné en tout cas, j'ai pas vérifié sa carte d'identité après, hein. Mais c'est le nom qu'il m'a donné quand il a acheté les produits à l'usine. Il a acheté une canne à pêche et trois hameçons et une boîte de 5 hameçons. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Ah, c'est bien. Reconnaissez-vous l'infraction qui vous est les infractions qui vous sont reprochées suivantes? Vous dites oui ou non à chaque infraction que je vous pose. Refus de se soumettre à un contrôle de police. Monsieur? Comment, pardon? Je vais vous on a voulu dire une PO, les mais infractions pour ça, je suis que vous reprochez. Si vous savez pas qu'est-ce que c'est, je vais vous le dire. De quoi? Vous aurez juste à me dire oui ou non si vous êtes d'accord, du moins si vous... Comment je pourrais dire ça? Si vous avouez les avoir commis. Si oui ou non, vous les avouez. Dites-moi. Refus de se soumettre à un contrôle de police. Ah, c'est pas exactement ce qui s'est passé au final. Mais oui ou non? Je sais pas. Alors ça, hein. Vous prenez ça comme ça, mais pour moi c'est pas moi, ça. Je vais marquer, j'en sais rien. Je vais marquer et j'en sais rien. Bah c'est vrai, vous prenez ça comme ça, mais. Complice de vol de véhicule? Ah ça, non, bah non, je suis pas d'accord, j'étais pas au courant. Okay. Vous êtes mignon, ouais. J'arrête pas de vous le dire, ça fait au moins 3 heures. Ah. Ah, faut connecter les fils un jour, hein. Ah, vous êtes vraiment pas doué. Putain, truc de ouf. Tout à l'heure, vous m'avez fait la même. J'ai les mains attachées, bah, vous vous attachez à votre ceinture. Frère, vas-y, vous êtes sérieux, là? Alors, monsieur, on dit ça, on n'est pas vos frères. On est des agents de police. Ah non, mais je commence à m'énerver, ça commence à être énervant, cette histoire. Putain, c'est un truc de ouf. Oui, le respect. Bah, connectez vos cerveaux. Je pense pas que c'est en s'énervant que ça va vous arranger les yeux. Ah non, mais comprenez, putain, sérieux. Oh. C'est une dinguerie, cette histoire. Là, je vous demande à manger, vous me donnez à manger. Prenez la boîte à gants, je suis attaché, vous faites comment? Non mais, il y a eu plein de dingueries qui se sont passées comme ça, et vous me dites, ah bah calmez-vous, hein, c'est normal. Et après vous me dites, ah bah faut pas se calmer, faut pas s'énerver. Hein. Ah bah. C'est mort. J'espère qu'ils ont pas souvent des dérégulines comme moi parce qu'ils vont se creuser le crâne, moi. Alors, les contacts. Transporteur. Attends, c'est quoi ce délire maintenant? Pour info, la DIR doit te payer la commande des panneaux car j'ai simplement fait payer la livraison à ton employé. À toi de refacturer la DIR. Pardon? Oh putain, cette histoire maintenant. Vous me permettez que j'appelle le directeur de la DIR? Non. Ah oh, mais putain, c'est quoi cette histoire? Mon entreprise va perdre de l'argent. Et vous, je vous jure, il y a un truc qui va pas. Ça va mal se passer. Moi, je parle à votre supérieur. On va mettre les choses au clair. Très bien, monsieur. Ah, il me sert vite, ça. Bon, je vais pas rajouter intimidation. Intimidation de quoi, pardon? C'est vous qui faites les zozos avec moi et c'est vous qui... Non mais attends, on marche sur la tête là. Je suis pas avec vous, monsieur. Bah si vous... juste les choses. Alors si vous faites pas les zozos, vous êtes vraiment con, hein, franchement. Et vous êtes... Waouh, dinguerie. Vous savez quoi? Parce que sache, pour l'instant, je vous manque pas de respect. Sachez mais... qu'une chose, c'est quand vous énervez, moi je vais... C'est beaucoup plus respectueux. Mais en ce qui concerne vous, c'est pas... C'est vous qui aggravez votre cas.
en m'insultant. Du moins, en me manquant de respect. Je vous insulte pas, je vous parle plus. Eh ben, me parlez plus, c'est bon. A few moments later. Il est actuellement 23h28, je vous annonce la fin de votre garde à vue. Homme. Vous pouvez repartir, oui. Tout ça pour ça compagne. C'est quoi cette histoire encore? Vous ai gardé durant toute la procédure de votre interpellation. J'ai fait la paperasse, j'ai fait le PV. Homme. Et donc après? J'ai tiré les informations dont j'avais besoin. Et donc après? Là, après, suivant décision du magistrat, du procureur, vous pourrez tout simplement être convoqué pour discuter de l'affaire. Ok, ça marche. Hey, bonne fin de soirée. À vous aussi, bon courage. Bonne soirée. Et oubliez pas votre cerveau. Comment? Et oubliez pas votre cerveau la prochaine fois. Sérieux. Mon gars, ils m'ont fait des dingueries. Je te jure. Tiens, ils viennent de me relâcher. C'est vrai.